Et salut à toutes et à tous, c'est Hippo et bienvenue pour la suite de Resident Evil 7. Donc on en est à l'épisode 11. Sans plus tarder, on continue. Et on était dans un espèce de bateau, un gros pétrolier, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. On avait aperçu la gamine, la Evelyn, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, il me semble que c'est Evelyn. On avait aperçu aussi tout un tas de méchantes créatures. Et on avait même galéré du coup à trouver des armes. Bon là, on en a trouvé. Mais ça se limite à un petit gun avec seulement 10 cartouches. Bon, on a quand même un soin. C'est pas si mal. On a des cartouches de mitrailleuse, mais pas de mitrailleuse en vue, en tout cas pour le moment. Cette espèce de flacon, trouvé dans votre poche, alors on ne sait pas trop ce que c'est. Je suppose que ça doit être en rapport avec le sérum, hein. Je présume. Donc on va continuer. Ouais, on a des psychostimulants. Ici, on avait fouiné tout ce qu'on pouvait fouiner. Lui, il a pas l'air bien. Alors, par contre, il y a de la bestiole. Il y a de la bestiole, mais il faudrait faire un retour dans les pièces maintenant qu'on est armé. Parce que je suis sûr qu'il devait y avoir quelque chose. Et ça me ferait clairement chier de passer à côté de la mitrailleuse, hein, je vous le cache pas. Oh la vache! Donc on va retourner vers ces pièces. Hein, quoi? On ferme les portes parce qu'il y a un merdier juste à côté. Alors celle-là, bah, je vais pas avoir le choix, je vais être obligé de tirer dessus parce que j'ai pas de couteau, j'ai rien. En espérant que ça va pas muter les autres connards. Ok, de la poudre à canon. C'est pas mal, on pourra se craft un peu de mine. Et là, dans cette pièce... On avait aussi un truc là-bas, je crois. Bah, en tout cas, il y a un établi. Le problème, c'est qu'il y a une bestiole qui pop quand on s'approche. Donc, on va être obligé de la rectifier. Voilà. J'espère que j'ai pas gaspillé les balles pour rien. Oh putain, c'est pas possible. Non, mais sans déconner. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le psycho. Là-bas, déjà, je vois qu'il y a quelque chose. On va se manier avant que l'effet ne disparaisse. Oh, il y a même deux trucs. Ah, putain, c'est fermé! Ah, fais chier! Ouh, là il y a des... Non, c'est dans la pièce d'à côté aussi. Donc ça, la lettre, on l'avait lue. Ok, une autre caisse. Pas de bestioles dans les parages. Un soin. C'est pas mal. Ok, il reste 5 cartouches. Le problème, c'est que... Ah, il y a un truc là. Il y a un truc, mais c'était la pièce là. D'accord. Fusible universel. Très bien. Alors, j'avais pas vu de tableau électrique. Je pense pas que ça aille ici, mais je tente quand même.
Ok. Peut-être pour la porte avec les loupiottes rouges là au fond. Oh putain! Oh le connard! Le pire, c'est que je l'avais entendu, hein, mais je pensais que c'était de l'autre côté. Ok. Il nous reste que deux cartouches. Ça s'annonce pas super. Donc s'il y a une bestiole, on va être obligé de tracer. Parce que pour en péter une, il lui faut trois bastos dans le crâne. Évidemment. Ok, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte encore après. Ah, là, ça s'ouvre. Oh my god, c'est grand. Allez, faites-moi plaisir, donnez-moi des munitions. Une télé. Donc il y aura certainement une cassette à visionner quelque part. Regarde ça. Tu dois te souvenir. Comme ça, on pourrait être une famille. Ouais, je veux bien. Attends, gamine, hein, je bois un petit coup de café. Ok. Regarde ça, regarde ça. D'abord, j'aimerais bien regarder s'il n'y aurait pas des choses intéressantes à ramasser. Dis, t'aurais pas des munitions? Ah, oh, elle est trop choupinette. Elle est trop bien faite. Ah, une machine à sauvegarde, mais visiblement celle-là, elle est pétée. Ça, c'est une porte. Une porte, mais condamnée. Voilà la cassette. Ok. Rien par ici. Très bien. Ok, bon, on visionne la cassette. J'en profite pour finir mon café. Hein. Et un petit succès, soyez sympa, rembobinez. D'accord. Alan, ton état s'aggrave. Elle a dû m'infecter durant l'attaque. Il est trop tard pour moi. C'est tout ce que je mérite. C'est ma faute s'il s'est enfui. Oui, c'est ta faute. Ah bah ça le veut pas dire remontement, que je elle. vais te laisser mourir. Elle t'a pas attaqué? Ça fait partie de son protocole d'empreinte. J'arrive pas à croire ce qui nous arrive. Tiens, il contient des échantillons de ces tissus. Ah, d'où le fameux flacon. Tu la retrouves. Tu répares tout ça. Allez, Evie, où es-tu? Ok, d'accord. Ok, d'accord, ok, d'accord. Munition de mitrailleuse. Division des opérations spéciales, blablabla. D'après nos récents rapports, il y a un risque élevé que des organisations adverses tentent de dérober Evelyn. De dérober Evelyn? Si celle-ci reste à son emplacement actuel. Vous avez donc pour ordre de la transférer vers notre branche centre-américaine afin qu'elle soit placée en lieu sûr jusqu'à nouvel ordre. Lors du transfert, assurez-vous de suivre les protocoles suivants. Faites-vous passer pour les parents d'Evelyn afin de ne pas éveiller les soupçons. Ah, donc c'est peut-être à cause de ça qu'elle nous rabâche à chaque fois. T'avais dit qu'on serait une famille.
Ok, possible. Utilisez le codex de son génome qui vous a été fourni pour contrôler les signes vitaux d'Evelyn. Si la mission venait à échouer, procédez immédiatement à l'élimination d'Evelyn. Ah oui! Oh, j'ai la mitrailleuse! Oh, puis le schlasse! Là, c'est plutôt sympathique. On n'a rien d'autre là d'aussi sympa là-dedans là. Ok, là on a un coffre. Ah, pièce de défense. On va la prendre, ça nous renforcera encore un petit peu. Par contre, le couteau, moi je le préfère en 1. Hop, boîte de fourniture, celle-là je l'avais. Ouais, c'était celle que j'avais depuis le départ, que j'avais vidée. Ok. On peut pas faire une petite sauvegarde là, non? Non. C'est bizarre comme VHS. C'est la première fois qu'on est armé et qu'on a de l'inventaire dans une VHS. Un petit coup d'œil sur la map. Ok. Rien de bien fou, tout en carré, ça m'arrange. Par contre, si on nous a donné une mitrailleuse, hein, évidemment que ça risque de partir en couille très vite. C'était quoi ce qui s'est affiché là, à l'écran? On avait semblé avoir vu quelque chose s'afficher au milieu de l'écran. Hein? Quoi? Le nombre indique la distance jusqu'à la cible. D'accord. Donc ça nous permet de pister Evelyn. Les suppléments. Ok, rien d'autre. Ok, là on a un passage, mais normalement ça ramène. Ah non, ça ramène pas dans le couloir. Oh la vache! Oh la vache! Ce qu'on va faire, c'est qu'avant d'aller dans le foutoir là, on va quand même essayer de trouver d'autres. Oh! D'autres munitions. Éventuellement du soin aussi. Visiblement, il n'y a pas foule. Ah là, sur le canapé peut-être? Oui. Ok, là, la porte, là, on peut pas. On se demande pourquoi. Bon, bah écoutez, hein. Est-ce qu'il y avait d'autres pièces quelque part? Donc là, on s'éloigne, donc c'était bien là-bas qu'il fallait aller. Là, c'est verrouillé. Là, il y a une herbe déjà. Je préfère faire le tour avant, hein, parce que... Ah, fusible. Mais je ne l'ai plus. Parce que s'il s'avère qu'on va devoir taper un boss... Vaut mieux être équipé avant. Encore un peu de supplément. Très bien, très bien. Ok, rien d'autre ici. On a fait le tour. Là, il y a quelque chose. Ok, un ascenseur. Il vaut mieux finir d'applaudir. À 2-3. Il vaut mieux finir d'explorer cet étage d'abord. Ok. Oh putain, il m'a fait peur ce con. Bon, bah allons-y alors. Je sais pas trop ce qui nous attend avec le gros tas
de dégueulasserie. En tout cas, c'est bien ici. On est à 10. Elle vomit. Elle vomit ? T'appelles ça du vomi ? Sans déconner. Si elle vomit ça, je sais pas ce qu'elle a bouffé la petite, hein, mais... Elle vomit. Non mais sans déconner. Ah, une herbe. Bon. Merde, je dois la réinitialiser. Comment ça se passe ? Elle vomit. Une quantité bien supérieure à sa masse corporelle. Génial. On va être envahi par ces immondes petits copains si ça continue. Ah, génial. Bon, il faut la trouver vite. Avant que ça dégénère. Je suis d'accord. D'accord, donc ça veut dire qu'on va avoir masse bestiole. C'est déverrouillé. Donc maintenant, je suppose qu'on peut aller au niveau de l'ascenseur. Puisque là, de toute façon, le fusible, on ne l'a pas. Oh, shit. Ok. Alors que je m'applique à tirer avec la mitrailleuse, parce que si je loupe autant de balles comme ça, ça va pas le faire. Attends, là on s'éloigne. Mais je pense qu'il faut, descendre. Alors je suppose que dans l'ascenseur on va avoir un petit cadeau. Ah putain, je le savais en plus, mais j'ai eu peur quand même. Hein. Oh putain. Si vous aviez vu le bond que j'ai fait sur la chaise. On sait tout, y a plus rien. Hein. Alors visiblement, ça, c'est une, ça a l'air d'être une échelle à déployer. Ok. Ça ne fonctionne pas. Ok, le 2, c'est là où on est. Donc il faut aller au sous-sol. Oula, puis on se rapproche à grands pas. Gentil les gens, hein. Gentil, hein. Sinon c'est salade de pruneaux pour tout le monde. Ouh, ça, ça sent la bestiole qui va se lever quand je vais arriver. Non. Par contre, on s'éloigne là. Voilà. À ce tarif là il va plus me rester grand chose en mune, hein. Ok, encore une herbe, bah décidément. Ah voilà, 40 mune, c'est pas plus mal. Ah! Ouh, ça c'est un gros ça. Ça t'a plu? Moi aussi. Ok. Donc là, il nous faut toujours une espèce de clé pour déverrouiller que nous n'avons pas.
Ah, et puis j'ai pas de soins en plus. Waouh. Ouais, d'accord. J'ai pas le droit à l'erreur alors, hein. Ah, il y a l'air d'y avoir un peu de matos là-bas. Une bombe télécommandée. Ouh. Ça promet. Non. On va rester sur la mitrailleuse, hein. Ok, il y a un connard là-bas. Chaud de loin. On va essayer de faire de l'écho sur les munitions. Qu'est-ce qu'on a? Aurait-on... Ah voilà, les munitions. 40 encore, impeccable. Ok, on se rapproche d'une autre saloperie. En tout cas, je présume. Alors, je sais pas à quoi vont nous servir ces bombes télécommandées, mais je présume qu'on va le savoir très très vite. On s'approche. Quand même bien faire attention à regarder partout. Parce que les munitions, c'est hachement précieux. Cette porte-là, ouais. Condamnée aussi. Par une clé, ok. Merde! Clic trop rapide. Alan, je crois qu'elle est de l'autre côté de cette porte. Mais je n'ai pas la clé. Essaie de faire fondre la serrure. Quoi? T'es au niveau inférieur, c'est ça? Regarde dans nos affaires. Faire fondre la serrure. Moi j'aurais dit je mets une bombe et je fais tout péter, mais bon. Ok. On va avoir un peu de matos là, c'est déjà pas mal. Fluide chimique. Impeccable. On va déjà pouvoir se faire un petit soin. On a de quoi en faire encore. Ça, les suppléments, bon, ben voilà quoi. Quoi d'autre? Bah. On peut pas y accéder, sans déconner. Ah, bah si. Encore des bombes? Corrosif. D'accord, de l'acide. On va faire fondre les serrures avec de l'acide. Plutôt pas mal. Un petit coup de pchit. Oh vache. Oh merde. Bon. Tu es fâchée contre moi, maman? Non, Evie. Je ne suis pas fâchée. Attends. Comment tu m'as appelée? Ben, maman. Ça pue, hein. Ça pue, cette histoire, hein. Je veux plus vivre au laboratoire. Je veux une maison. Et je veux que tu sois ma maman. Ok, Evie. Je serai ta maman. Mais viens avec moi maintenant.
es-tu, Evie? Honnêtement, hein, personnellement, je suis pas pressé de la voir. Hein. Elle est très bien là où elle est. Mais c'est vrai, ça, elle est où? On est à 28. Ici. Ah! Oh putain! Evie, attends! Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que tu l'as trouvée? Oui, mais elle s'est enfuie. Elle génère d'autres créatures, Alan. Oh non! Ils sont partout. Je te l'avais dit. Est-ce que ça va? Occupe-toi seulement de ramener Evelyne. Ok. Ça va partir en cacahuète. Bon, faut que je me calme, on n'est pas dans Battlefield là. On n'a pas de la munition infinie. Putain. Il est mort. Il est mort. Il va falloir que je retrouve de la munition très bientôt. Il y avait d'autres portes à faire fondre. Dont une ici. Alors c'est quoi ce brouillard là? À chaque fois que je clique sur la cible, il y a une balle qui part avec. Ok, des munes, une herbe. Wow. Toutes ces bombes qu'on nous file, ça promet. Ok, plus rien là. Oh putain! Non, toi tu restes là, toi. Ah bah non, on est obligé. Eh merde! Je préférais le gun quand même, c'était plus précis. Hein. Ça c'est un gros. Ça marche quand même pas mal la mitrailleuse. Mais ça bouffe de la munition. Evelyne, reviens ici. Ça sent également le cadeau dans l'ascenseur à l'ouverture des portes. Il va tomber d'ici, je présume. Ok, donc on va à l'étage 3. Alors du coup, j'ai eu pas mal d'acide. Oula! Système de verrouillage d'urgence activé. Non. Pourquoi? F, monter. Oui, bien sûr, mais tu permets? Ok, ici aussi, il y avait des salles où on devait faire fondre les serrures. On va essayer de les retrouver en vitesse. Ah, le vieux est plus là.
Evie est en haut, ok. Ça sent pas bon. Alan, Alan, où es-tu? Je voulais poser les suppléments, mais finalement, on se fait garder sur soi. On a de la place. Hein. De toute façon, il n'y a pas de quoi sauvegarder. Et il n'y a pas moyen de faire fermer sa gueule à l'alarme aussi, sans déconner. Le bruit de l'alarme, quoi. Infernal. Ah putain, à chaque fois, mais à chaque fois. Encore des bombes. On va devoir faire péter le bateau. Je le vois venir comme ça. Oh putain. Beaucoup de munitions. Il ne reste qu'un seul truc d'acide aussi. Ah, cette fois-ci, j'ai pas gaspillé de balles en ouvrant la serrure. Encore ? Oh là là. Ouais, moi je veux bien, mais du coup, je dois aller où ? S'ouvre ça? Non. Ouais, ok. Oh la vache. Putain, il me reste 4 balles, je suis dans la merde. Je suis dans la merde et je sais toujours pas où je dois aller. Là, on peut pas. Ah! Dans le couloir. Je suis paumé. Ah, d'accord. Peut-être monter par les escaliers tout simplement en fait. Par contre, il va me falloir de la munition, mais urgent. Ultra urgent. Ok, là on a rien. Putain, l'alarme, sans déconner, coupez-la quoi. Alors on revient à la salle où il y avait la télé. Je vais faire un rapide tour, mais je pense pas qu'il y ait du neuf. Ah, voilà le vieux. Allez, des munitions, putain, sans déconner. Comment es-tu arrivé ici? Oui, elle est hors de contrôle. Sans les traitements, elle se détériore. Ouais, elle vomit. Foutu pour foutu, je préfère crever maintenant. Elle a la gastro, la gosse. Ne dis pas ça. Je voulais pas que t'as fait comme ça. Ah, t'es une connerie. Prendre le contrôle. Tu dois la combattre. Ce que je voulais. Si on doit se taper dessus, on est mal. J'ai que 4 balles. Evelyne, arrête. Arrête ça tout de suite. Oh, bon appétit.
ça là, il est mort. Ouh là 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 là. Oh. Waouh. Ok. Ok, ok. Donc là, j'avais vu qu'il y avait une petite mallette. Ouais. Pas d'interaction possible avec. Bon, passons la porte. Dimune, please. Ça urge. Alors, on voit que dalle. Donc on doit interagir avec le PC. Fouillons d'abord les alentours. Et il n'y a rien du tout. Ah merde, j'ai plus d'acide en plus. Merde, j'ai plus d'acide. Bon. Ah, c'est la séquence du tout début du jeu, apparemment, ça. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Ethan, tu avais raison. Je t'ai menti. N'aurais pas dû, mais... Tout ce que je peux dire, c'est que si tu as ceci... Reste à l'écart. Oublie jusqu'à mon existence. Et sois heureux. Ok, on commence à recoller les morceaux tout doucement. Par contre, bientôt, c'est mes morceaux à moi qu'on va finir par recoller. Si je ne trouve pas rapidement. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce pénis ? Pas de bébête, s'il vous plaît. Ah ! Oh my god! Super cinématique en tout cas. Tu te souviens maintenant ? Oui, Evelyn. Je me souviens. Est-ce qu'on peut être une famille comme avant ? Oui, bien sûr. Ah merde. On ne peut pas être une famille. On n'a jamais été une famille. On ne sera jamais une famille. Tu vas la contrarier. Alors, j'ai plus besoin de toi. Oh putain. Ouh, putain. Ok, donc là on revient avec notre inventaire de base. La VHS est terminée. Eh bien écoutez ce qu'on va faire les amis, je vais vous faire rager un petit peu. On va s'arrêter là, on va sauvegarder. Je vais quand même regarder ce qu'on a par la porte. Ok, donc on va sauvegarder. La vidéo sera pour une fois dans les, dans les temps que je m'étais fixé depuis le départ.
Du moins, je l'espère, je dis ça, mais en général, j'ai des surprises quand je vois la taille de la vidéo après. Donc on se quitte ici. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Pensez à la liker et commenter. Pensez à la partager aussi. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et puis je vous dis à la prochaine pour la suite de Resident Evil 7. Portez-vous bien. Bye bye.